Le texte de Maman commence comme ça. Elle dit Lada, Christophe, Christophe, Lada, pour nous ils ne font qu'un. Sciemment, je ne prononce pas cette phrase à l'imparfait, car aujourd'hui encore, ils sont unis pour l'éternité. Ce n'est pas possible d'aimer que pour une vie. Le lien d'amour tissé ici-bas se renforce au-delà. Le Conseil Vatican affirme le lien de ceux qui se sont endormis dans la paix du Christ avec ceux qui se trouvent encore en pèlerinage ici-bas. On ne connaît pas la moindre intermittence avec la mort. C'est la communion des saints, de tous les saints. La certitude de cette communion nous permet de passer du désespoir à l'espérance. Ça, ce sont les mots de ma maman. Moi, je voudrais juste ajouter que Lada, son sourire, la lumière, sont un exemple, en tout cas pour moi, et pour tous les gens qui l'ont croisé, qui ont eu la chance de faire un petit bout de chemin avec elle. J'ai rarement vu une telle joie, une telle force entre Christophe et Ada. Et je voulais les remercier pour tout ça. Merci Ada. Et voilà, je sais qu'elle va continuer à nous illuminer et à nous donner la force qu'on ne trouve pas parfois. Pour ceux qui le souhaitent, je vous propose d'écrire une lettre à Lada. Cette dernière lettre, qui peut être aussi importante pour vous, parce qu'elle est partie tellement vite qu'on n'a pas forcément le temps de lui exprimer tout ce qu'on avait à lui dire. Donc vous pouvez lui écrire, une petite lettre, je cumulerai les lettres, et vous aurez à ce moment-là la possibilité de revoir plus tard, je cumulerai tous ces écrits dans le PDF interactif qui sera disponible, une sorte de livre d'or qui sera un petit peu la mémoire pour tout le monde. Petit mot sur le coronavirus, je suis une cible de tout le monde, donc merci déjà à la rentrée. Nous avons un salut Khmer qui va très très bien, qui est lié aussi à la prière pour tous les chrétiens. Donc respectons nos petits gestes barrières, tout le monde s'en mieux, notamment pour vivre tous le plus longtemps possible. Ce qui compte, c'est de rester en bonne santé. Lada, mon cœur, votre sœur, votre tante, mes sœurs, la fille, meilleure amie, collègue et patiente, Lada était une femme de cœur. C'était une femme extraordinaire et brillante. Le 19 février, pas si longtemps, Lada nous disait encore que petit. Et de faire des rencontres. Je vous vois tant, je me rends bien compte. Quand je souffre, vous êtes tous là auprès de moi. Aujourd'hui, je voulais demander à vous. Si mon cœur bat de joie, il le doit à vous. Merci, chers amis, merci, chère famille. Aujourd'hui, je vous l'avoue, je me souffre trop. J'affronte un nouveau combat. Ce cancer qui m'époumonne et qui m'abat. Je ne savais pas comment vous le dire. Aujourd'hui, vous êtes ma vie, mes joies, mes rires. Nous avons bien découvert le monde ensemble. Demain, nous jouerons avec nos souvenirs. C'est la vie. C'est la vie. Ça, c'était le 19 février, 8 mars, 4 h du matin. Le 8 mars restera à jamais la journée où nous nous souviendrons d'une femme extraordinaire. Lada, ma cambodgienne préférée, tu sors de l'ordinaire. Malgré ton handicap, tu as survécu au Khmer Rouge, toute bloquée et dépendante, avec l'aide de tes proches. Tu as survécu grâce à l'aide de ta famille. Et puis tu as réussi ton intégration en France. Chapeau bas, encore, à la famille. Apprenant le français, réussissant ses études, tes études, jusqu'à décrocher l'indépendance par l'emploi. Sans renier ton Cambodge natal. Intégration réussie. Bien évidemment, Lada, tellement extraordinaire dans ton combat contre la maladie. Une sacrée polyarthrite rhumatoïde. Avec un nom pareil, moi je vous le dis, il y en a beaucoup qui auraient baissé les bras. Lada, tu es aussi droite et forte de caractère que ton corps est tordu et faible. On te voit petite et fragile, et tu nous éblouis de dynamisme. Ton courage, ta détermination, ta volonté d'aller de l'avant sont des exemples pour nous tous. Lada, même les médecins ne savent plus combien d'opérations tu as à ton actif, 12, 14. Malgré tes prothèses, tes articulations aux angles bizarroïdes, tu veux profiter de la vie comme tout valide. Lada, en métro, bravant les marches. Lada, en voiture, à Paris, sur la place de l'Étoile, tout seul. Lada, en voyage, à dos de chameau, et plus souvent à dos de Christ. Tu es une battante. Si tu avais été valide, j'aurais pris des coups. Malada, impériale au travail, jonglant avec clin d'œil de tes collègues, je vous remercie pour ceux qui sont là. Je pense à ceux qui n'ont pas pu venir. Mais, donc jonglant dans son travail avec Solon, Isis, circulaire.gouv.fr, avec le nouveau BO. Je ne vous parle pas, c'est pas grave. Reprenant de haute volée les rênes d'un service orphelin, répondant aux courriels désespérés, évidemment à des heures imbues, de directeurs te demandant de publier un texte au JO pour demain, donc à faire. Lada, tu connais l'avantage du télétravail, tu connais aussi ses inconvénients. Tu es donc exemplaire dans ton travail. Énergique, combative, parfois sévère, souvent exigeante. Mais toujours juste, avec ton ton naturel désarmant et ton doigté tout crochu et malgré tout en finesse. En fait, Lada, tu es plus rapide que tu en as l'air. Les autres, ils doivent se mettre à ton rythme. En fait, tu es même plus grande que tu en as l'air. Les autres doivent se mettre à ta hauteur. Enfin, Lada, pour tes amis, tu es aussi extraordinaire dans ta fidélité. Tu pétilles. Tu rayonnes, déterminée, débordante d'énergie positive, ta volonté d'aller de l'avant est sans égale. Même tes amis, professionnels de santé, restent bloqués. Curieuse et passionnée avec tes meilleurs amis, tu pars découvrir les dernières expositions, les derniers films. Tu aimes aussi partir à la découverte des autres cultures. L'Inde, Maroc, l'Égypte, Madère, Sénégal, les Açores, ils n'en passent vraiment beaucoup, je vous assure. Toujours pleine d'entrain, de gaieté et de joie de vivre. Elle adorait la découverte. Lada, tu penses plus aux autres qu'à toi-même. Tu as du cœur, comme ceci, un cœur multicolore, un cœur brillant et léger. Tu oublies ainsi les douleurs, et nous sommes ta vie. En toute modestie, tu étais extraordinaire, avec l'amour de ta vie. Quelle chance j'ai eu d'être ton mari. Presque 40 ans fusionnels, équilibrés, de complicité et de union. Mon épouse extraordinaire, l'héroïne de ma vie, ma chevalière de l'ordre national du mérite. Écoute, écoute bien. Humblement, je te bercerai encore. Je te bercerai. De mots tendres en chanson. Alors que toi, comme par enchantement, tu nous enchantais. Lada, tu nous offres vraiment une bien belle leçon de vie. De la vie à la mort, un tout petit pas. Il n'y a pas d'injustice en cela. C'est la vie. On aurait encore tant de choses à se dire et à vivre ensemble. Vois-tu ranger nos papiers de fiançailles, on quoi donner l'idée de notre appart, c'est vrai. As-tu oublié que l'on doit partir au Brésil dans 4 jours? Mais autant la rapidité de ta mort est extraordinaire, autant sa cause ne l'est pas. Je vous laisse tous méditer sur la qualité de l'air que nous respirons. En passe, si ce n'est déjà fait, d'être la première cause de mortalité en France devant le tabac. La pollution de l'air, c'est le cancer que nous respirons. Méditer sur l'état de notre planète et l'urgence qu'il y a à mettre l'humain au cœur de nos choix. L'urgence qu'il y a à agir si nous ne voulons pas perdre trop tôt ce que nous aimons. Prenons soin de notre planète et de nous, profitons des beautés de la vie et de la nature. Vivons en harmonie, ensemble, en couple, si c'est possible. C'est ce que je vous conseille. Savourons les bons moments. Voyons le beau côté des choses. Comme la vie. Faut-il connaître la souffrance pour connaître le prix de la vie et savoir donner de l'amour? Lada, tu nous as montré qu'il fallait accepter les difficultés pour mieux les surmonter. Tu nous as montré qu'un petit corps fragile peut réceler un immense potentiel. Tu nous as montré que les handicapés peuvent avoir une belle vie, que les malades peuvent aimer et être aimés. Bien portant, mais de quoi nous plaignons-nous? Pourquoi nous attarder sur les choses tristes de la vie? Lada, tu nous as appris à relativiser. Oui. Nous pouvons toujours vivre heureux si nous le souhaitons vraiment, si nous voyons simplement les beaux côtés de la vie, tout en ayant du cœur. Saint-Exupéry, qui savait prendre de la hauteur, pas en dirigeable, tant pis pour moi, mais Saint-Exupéry savait que l'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Comme Lada, ayons du cœur. Rendons-nous riche de cœur. Donnons du bonheur aux autres, et notre vie sera plus belle et réussie. Voilà ce que nous disent les sourires, l'exemplarité et la joie de Lada. Que notre sourire devienne notre meilleure arme et rayonne de nous comme un soleil. Que notre exemplarité nous conduise au plus juste et nous pousse au meilleur. Que notre joie de vivre nous porte à aider les autres dans leurs moments difficiles. Lada, je ne vais pas dire tu vas nous manquer. Et tu forces toute notre admiration. Ton rayonnement est avec nous. Tu ne seras pas une simple étoile qui brillera au-dessus de nous, mais tu seras un vrai soleil qui exaltera notre cœur d'optimisme et d'entrain. Chers amis, pour finir, chers amis, chères familles, merci, la chorale aussi, mais les vieux amis. Je ne vous remercierai jamais assez de vos petits mots de sympathie, de soutien et d'amour pour Lada. Vous, tous qui avez croisé sa route, je ne vous remercierai jamais assez, vous qui l'avez aidé à marcher si bien, si heureuse et si longtemps, malgré tout. Si Lada a vécu joyeuse, c'est bien parce qu'elle a reçu de vous, de nous, de simples petits gestes d'attention, de gentillesse et de tendresse. Quand l'esprit brillant de Lada circulera librement à nos côtés, avec celles et ceux qui l'ont précédé, alors nous marcherons le cœur léger dans des jardins magnifiques. Avec Lada, peut-être aussi tout ce que nous aurions aimé faire pour elle et avec elle, mais que nous n'avons pas pu faire. Et humblement demander au Seigneur qu'il vienne combler tout nos manques d'amour. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Personnellement, j'ai fait la connaissance de Ladavann mardi dernier, en rencontrant Christophe, qui m'a beaucoup parlé d'elle. Alors c'est sûr que pour toi, Christophe, pour beaucoup parmi vous, c'est une nouvelle étape qui commence maintenant. Ladavann nous a quittés, nous sommes bien sûr dans la peine de cette séparation. Nous aurions encore voulu lui dire tout notre amour, continuer à l'entourer de cette affection qu'il a tant portée dans sa vie, qu'elle a si bien su accueillir. Alors tous ensemble, croyants ou non, nous sommes ici pour célébrer surtout la vie. Notre existence et la vie de Ladavann, ce n'est pas un fruit du hasard. Nous ne venons pas du néant, mais nous croyons que nous venons de l'amour de Dieu. Alors c'est le jour aujourd'hui, et ces ballons que nous avons mis ici dans cette église le disent d'une certaine manière, c'est le moment pour célébrer la vie et l'amour qui a toujours entouré Ladavann. En parlant l'autre jour avec Christophe, il me racontait comment, finalement, le corps de Ladavann montrait bien toutes les souffrances qu'elle vivait, tout ce qui l'a entouré, mais moi j'oserais dire aussi qu'elle a porté dans sa propre chair, d'une certaine manière, les souffrances de l'humanité. Parce que, eh bien, moi je peux vous dire que, comme prêtre, et je suis sûr que l'abbé Philippe, qui est ici avec nous aujourd'hui, le sait aussi, on voit facilement que derrière ces personnes qui vont bien, on dirait, il y a toujours des blessures, il y a toujours des maladies. Et Ladavann, elle a porté ça dans son cœur. Et nous pouvons aussi voir que dans son regard, dans son sourire, dans sa lutte pour vivre, pour réussir, pour sortir d'elle-même, pour donner de la joie aux autres, on peut voir aussi que dans cette humanité qui est malade et qui souffre, la vie s'ouvre un chemin. Et c'est ce que nous croyons, nous chrétiens. Là où apparemment il n'y avait pas d'espoir, le Seigneur est venu habiter parmi nous, comme l'un de nous. Il est devenu vraiment l'un de nous, en Jésus. Et il a ouvert un chemin, là où apparemment il n'y avait rien à faire. C'est pour ça que nous avons entendu dans le psaume qui a été si bien chanté, « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Ton bâton me guide et me rassure. » Cette phrase dit les épreuves de la vie que Ladavann a dû surmonter. Et tout ce psaume et ces lectures que nous avons entendues nous donnent l'espérance qu'elle trouve enfin la tranquillité, la douceur, la sérénité des verts pâturages vers lesquels le Seigneur nous guide. Alors pour nous, résonnent aussi aujourd'hui avec force ces paroles de l'Évangile, ces paroles de Jésus que nous venons d'entendre. Il nous a dit par exemple, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Oui, nous allons voir Dieu. Et nous prions pour que Ladavann puisse le voir maintenant. Nous avons besoin d'être préparés pour cette vision de Dieu. Nos yeux, les yeux de notre corps, mais aussi les yeux de notre âme, ont besoin d'être préparés pour contempler la beauté du visage de Dieu, du visage de Jésus. Eh bien, peut-être qu'en cet après-midi, le Seigneur, Ladavann aussi, nous invite à passer de ce monde que nous voyons au monde qu'on ne voit pas, mais qui est beaucoup plus réel. Ce monde qui nous précède finalement et qui précède notre histoire et dans lequel le Seigneur nous attend. Alors, peut-être que nous avons du mal à voir avec les yeux de notre cœur ce monde, mais ici, dans cette église, Notre-Dame de l'Arche d'Alliance, on a voulu représenter un peu ce monde qui est le monde de Dieu par cette croix lumineuse qui nous accueille. Cette croix, eh bien, elle nous dit que dans les croix de notre vie, dans les difficultés de notre vie, nous pouvons rencontrer la lumière de Dieu. Pourquoi? Eh bien, parce que lui-même a voulu habiter cette souffrance et il a voulu la remplir de sa propre vie. Dans cette croix, nous croyons que nous pouvons rencontrer Jésus lui-même, Dieu fait homme, né de Marie, Jésus qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Nous allons maintenant poursuivre cette messe, et c'est très beau que nous puissions célébrer une messe pour Ladavann, parce que à la messe, nous apportons très peu de choses, un peu de pain et un peu de vin, très peu, comme pauvres et petites sont nos vies, comme petites était aussi Ladavann, mais le Seigneur, avec ce peu de pain et ce peu de vin, fait des merveilles. Il transforme cela en son propre corps et il s'unit à nous par la communion. C'est ce qu'il a fait sans doute aussi avec le cœur de Ladavann qu'il a rempli tout au long de sa vie. Et c'est ce qu'il veut faire avec nous pendant nos vies. C'est lui que nous continuons à vivre ici. Alors, continuons à vivre cette messe dans l'action de grâce pour tout ce que nous avons pu vivre avec Ladavann, avec tout l'amour que nous avons pu lui donner, et continuons à accueillir aujourd'hui et demain et tous les jours de notre vie l'amour de Dieu qui nous rejoint et qui remplit toutes nos vies. Même si elles sont faibles, même si elles sont malades, le Seigneur va les remplir. Prions quelques instants pour Ladavann, en silence maintenant, et prions aussi pour sa famille, pour Christophe, pour cette nouvelle étape qui s'ouvre pour lui, pour qu'il sache continuer à accueillir l'amour de Dieu comme il l'a fait jusqu'à maintenant. Soyons des vrais témoins de l'espérance qui nous anime. Seigneur, nous te prions. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu. un dernier petit mot d'accueil éventuellement pour ceux qui le veulent.